Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide sur les matchs d'Europa League. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir du foot sera fait avec les suspensions de la Serie A, de la Liga. Deux matchs qui n'ont pas lieu ce soir concernant les clubs italiens pour l'Inter et la Roma. Mais quand même, six matchs d'Europa League, donc je vais vous proposer un petit combiné pour plus que doubler la mise avec deux matchs. On commence avec le match de Francfort qui reçoit soit Bâle. Donc Francfort, en demi-finaliste la saison dernière, c'est une Coupe d'Europe qui joue à fond. Ils sont pas excellents en championnat, donc je pense qu'ils vont pas mal miser sur cette Europa League. Ils ont éliminé Salzbourg au tour précédent. Donc Francfort en Ligue Europa cette année, c'est 7 matchs disputés à domicile, 5 victoires. En face, on a Bâle qui a eu un duel plus facile au tour précédent contre l'APOEL. À l'extérieur, ils ont perdu à Krasnodar, ils ont fait un nul à Trabzonspor. Moi, je vais faire confiance aux Allemands et je vous conseille la victoire de Francfort, cote 1,58. Deuxième match, c'est les Glasgow Rangers qui reçoivent les Allemands du Bayer Leverkusen. Donc, ces Allemands, ils ont une équipe plutôt joueuse, ils marquent beaucoup de buts, mais ils encaissent aussi pas mal. Au tour d'avant, hein, ils ont été reversés de la Ligue des Champions, ils ont joué contre Porto. Dans les deux matchs contre Porto, les deux équipes ont marqué. Moi, je vois bien les Rangers marquer aussi à domicile de leur côté. Donc, je vais vous proposer les deux équipes marquent et c'est une cote à 1,57. Donc si vous combinez les deux, la victoire de Francfort et les deux équipes marquent entre les Glasgow Rangers et le Bayer Leverkusen, vous obtenez une belle cote à 2,48. Alors je vais quand même glisser un petit mot sur un troisième match, c'est Leeds qui reçoit Manchester United. Donc Manchester United qui ne brille vraiment pas à l'extérieur en Ligue Europa, si on regarde cette saison, ils ont fait un nul à la AZ Alkmaar. Une défaite à Astana, et là, au tour d'avant, c'était encore un nul contre Bruges. Ils vont se déplacer, c'est chez Linz, qui est une équipe solide à domicile. Donc, pour ceux qui sont amateurs de grosses cotes, pourquoi pas tenter la victoire de Linz? C'est une cote à 4,35. Donc, vraiment belle cote. Et pour ceux qui sont un peu moins riscophiles, je pense que le Linz ou nul ou le match nul sont aussi vraiment intéressants. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, donc, si un de ces paris vous intéresse, donc vous pouvez profiter d'un bonus de 120 € sur BetClick pour toute nouvelle inscription en passant par un lien rue des joueurs. Donc, si vous jouez vos 120 € de bonus sur le combiné à 2,48, vous pourriez remporter 297 €. Mais ce n'est pas fini parce que votre pari soit gagnant ou perdant, vous obtenez en plus 120 € de paris gratuits. Donc, si jamais le combi est gagnant, vous remportez les 297 € du pari plus 120 € de pari gratuit, ce qui vous fait un total de 417 €. Donc, voilà pour mes petits pronos Ligue Europa, c'était Sylvain. J'espère que je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos du week-end sur les championnats, si les matchs ont lieu. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao à tous et bon match! We'll be right back.